Salut les gars, comment ça va? On se retrouve sur Infinite Warfare encore pour la série des nucléaires. Allez, pardon, des atomiseurs. Alors celle-ci, c'est avec la Karma 45 Armageddon qu'on débloque au niveau 10 de la nouvelle unité d'intervention, qui est l'enclume sanglante. Et donc, ou The Blood Anvil, pour en anglais. Donc voilà, on est sur la même Skydock. Je suis en team avec 4 collègues. Et je crois qu'il y a Nono, Kalash, Zebi et Joby. Et moi-même donc. Qu'on est 5. Ou peut-être que 4, et peut-être pas, j'oublie encore. Bref. Donc voilà, juste pour vous dire qu'on continue la petite série jusqu'à 100. C'est mon objectif. Après, je jouerai avec les armes épiques souvent. Ou avec. Enfin, des fois, ça m'amuse de changer. Tout à l'heure, j'avais un petit gameplay avec la Cyclope. Avec une Volk MK2 que j'ai eu il n'y a pas longtemps aussi. Enfin voilà, je m'amuse. Là, j'avais le contrat des mitraillettes. Comme vous pouvez voir en haut à droite, j'avais 15 kills à la mitraillette. Chaque fois que je tue un mec à la mitraillette, ça monte. Donc c'est pour ça, en fait, j'ai pas planifié de faire cette nuque, mais bon, elle est venue. Donc on va pas se plaindre. Toujours sensibilité 5-5. Sur ma Karma, j'ai mis canon rayé, poignée ergo, poignée. Je joue avec le guerrier et. La griffe ainsi que. Comment ça s'appelle? Révélation, c'est-à-dire dès qu'on fait un kill, on a un petit sonar. Donc voilà, comme vous pouvez voir tout en haut à gauche. On essaye de monter Maître Prestige niveau 30. Donc là, je suis passé niveau 12 aujourd'hui. C'est dur de faire de l'XP quand on en MME, mais bon, ça va plus vite les games et tout ça, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a pas trop manqué. Moi je vais continuer à jouer là. Je vous ai dit, j'avais le boulot qui reprend le 10 avril. Donc là je vais un petit peu grind le maître prestige ainsi que les nuques. Je vais essayer d'en faire le plus possible. Je crois que là on en est pas loin des 60. Donc voilà, j'ai décidé d'en faire sur une vidéo deux nucléaires. Comme ça au moins ça évite de regarder à chaque fois une. Donc. Voilà, on va pas se plaindre, le jeu toujours pareil, j'ai toujours 2-3 trucs à reprocher à ce jeu, moi j'adore ce jeu, mais les synaptiques et... C'était quoi? J'avais un autre truc aussi que je voulais... Les faits que les gens ils ne rejoignent pas les games, alors voilà. Là tu fais rush kit 2 mecs, 3 mecs, et bah ben, le reste de la game ils vont finir à 3 ou à 2 et c'est impossible qu'ils rejoignent, je sais pas pourquoi. S'il y en a qui savent me le dire, mais en tout cas voilà, j'ai... Il change, il met des nerfs sur les armes, tout ça, c'est pas très utile pour ma part. La NV4, tout le monde continuera à jouer avec, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, ouais, changer le hitbox du synaptique, franchement, avec la. Je me rappelle qu'à l'époque de BO3, on jouait beaucoup avec la faux, le Reaper, et ça a été patché, beaucoup de gens ont moins joué avec. Du coup, c'était un peu fermé là. Maintenant, dès qu'on joue contre des mecs qui jouent super bien, c'est souvent des synaptiques. On a beaucoup de mal à les toucher. Là, mon frère, il meurt. Ouais, j'ai cru que j'ai tiré dessus. Bref. Eh ouais, tu passes devant, j'ai en plus, pip. Mais toi, t'es un chat noir, toi. T'es passé devant, je t'ai tiré dessus. Un Et chat le mec qui est noir. à ta gauche, Aïe, je l'ai aïe, pas aïe. tué. Je lui mets la misère, Mais mon frère. Mais quand deux même, faut mecs le en plus. gros crédit à lui parce que. Putain! C'est vrai qu'il jouait Comment tu fais pas, ça? exceptionnellement bien avant et maintenant moi je trouve qu'il a vachement progressé. Le fait de tirer en sautant, Putain, viens c'est ce qu'il voir. faut dans ces nouveaux Les jeux. Hein. voitures Même sont incroyables les dans ce prochains jeu. jeux, alors on en discutera dans d'autres vidéos, les prochains jeux où ça sautera plus, il n'y aura plus les jetpacks, il faudra quand même sauter ou se blesser et tout ça. Et je dis gros crédit à lui parce que voilà, moi j'utilise la croix et j'arrive pas à sauter en même temps que tirer, je saute un petit peu avant ou des fois ça m'arrive de vite descendre le pouce pour tirer. Donc voilà, bravo à lui, c'est bien comme il joue maintenant, il a une nouvelle technique, c'est pas mal. Là je prends des risques, je me rappelle, il me cherchait. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. J'espère que vous kiffez, que vous continuez à regarder. Si vous voulez que je fasse des choses particulières, c'est-à-dire des types de vidéos ou sur Infinite. BO3, j'ai essayé d'y jouer, j'ai de passer d'un jeu comme ça à un autre. En fait, c'est tellement différent les jeux que j'ai du mal et
J'arrive pas à prendre de plaisir sur Black Ops 3. Donc, j'ai hâte que le nouveau sorte. Je vais reprendre Destiny. Je vais reprendre Destiny. Donc, attendez-vous à voir 2-3 vidéos sur Destiny. Je pense pas que je ferai du multijoueur. Pour du multijoueur, je reste sur Call of. Mais bon. Voilà, sur ce, les gars, je vous laisse kiffer la détonation de la désatomiseur. Et je vous laisse watch la deuxième avec un peu de musique. Allez, ciao les gars, à demain. Bonne soirée. Show me love as we get older.
Si vous avez été jusqu'à là de la vidéo, les gars, merci encore, je vous remercie. Et une dernière petite chose, ça me dérangerait pas d'ajouter tout le monde en ami, mais ça fait beaucoup. J'ai 2-3 demandes à chaque fois qu'il y ait des gens, je mets des nouvelles vidéos. C'est super sympa, j'apprécie, mais je peux pas ajouter tout le monde. Donc, en tout cas, je vous remercie tout le temps, tous les jours, toute l'année, toute la nuit. Je vous remercie. Donc voilà, merci de regarder les vidéos les gars, ça fait super plaisir. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette détonation. C'est Zizi qui me disait bien joué. Elle doit en avoir marre de tous ces campeurs. Enfin bref les gars, à bientôt, ciao ciao. Sans silencieux, puis j'ai joué.